et messieurs, je suis le god. Bon, j'espère que vous allez toujours très très bien. Max m'a laissé sa place d'animateur. Je suis devenu animateur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous avons deux représentants mâle alpha, bien c'est entendu. C'est lui maintenant. Hein? C'est quoi? Plus lui maintenant, de quoi? Bah oui, mais bon. Mais l'autre, il est impossible. C'est bien reconverti. Continue un peu, voilà, il est coach LOL maintenant, bon, on s'inquiète pas pour lui. Ça, mon petit Alpha, tu n'as jamais fait de beat de Xari, toi. Non, jamais, c'est nouveau, j'ai jamais été ici, je sais pas qui sont ces gens, là, je suis rentré. Je sais même pas ce que je fais ici. C'est ça, je sais pas. C'est ça que j'ai rentré. C'est genre en mode, quel personnage de LOL est gros, Gragas, et voilà. Je vais t'expliquer un petit peu les prémices. Faut savoir que Xari est la personne chez Eclipsia, enfin en tout cas de mon vivant ici, qui était forcément la plus intelligente. D'accord, ah oui. Non, vraiment, très largement, la plus intelligente, la plus également culturée, oui. Hein, bien sûr. Voilà, il faut savoir que c'est un surdoué, il a sauté 4 classes, je 7. Crois. 7 classes, pardon. J'ai eu mon bac à 2 ans. C'était insane. Genre, mais c'est moi qui, t'sais, qui faisais chier le fils de Jiraya. À la base. C'est moi, en fait, j'étais en première et il m'a gavé de ouf. Quoi. Excellent travail. Et du coup, voilà, on a créé ce beat de Xari où, justement, Xari, de par sa grande intelligence, affrontait chaque membre du staff un par un. Bien entendu, et les ridiculiser, les tourner en dérision. Si, on peut le dire. Tu, Xari, ça va, fais pas le modeste. Moi, je me rappelle que Dash et Menro, ils me. Bon, ils Dash me et Menro, enfin en même temps. Bah, Dash, il est gros, chaud. T'as quel âge? Là, t'as quel âge? Bah, j'ai. Non, mais toi, ton vrai âge, je pense pas. Non, mais. Bon, quand j'étais là, t'avais 21 ans, t'étais un enfant, tu m'arrives encore au genou. Menro, frère, il a 3 enfants, il a une barbe, il a 35 ans, d'accord? Donc, c'est normal, vous avez pas le même. Il a 35 ans? Je sais pas, mais il a bon, 62, on a dit. 70. Ok, donc du coup, ça va être très simple de vous poser des questions. On vous avait fait un petit Shifumi pour savoir qui va commencer. Donc, on va avoir des questions apparemment préparées par Max, ici présent, sur le canapé. Tout à fait, donc si c'est nul, c'est de ma faute. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Si c'est bien, on est là pour s'amuser. Et il y aura un quiz à la fin, Overwatch. Tout à fait, pour les départager ou voilà. Juste pour le plaisir. Parce que tous les deux, il va gagner. Alpha est une machine. Alpha gagne, je veux dire. Voilà. Oui. Voilà. Sachant que le gagnant gagne 1000 euros et le perdant gagne 0. Ah, c'est pas mal. On repart sur le champ. Tu t'en vas. Ah, très bien. Ok. On va faire comme ça. Bon, un petit Shifumi, les gars. On fait quoi? On fait Shifu et Mi. Oui, Shifumi, les gars. On va être tranquille. Shifumi. Oh, il est trop fort. Et il est trop fort. Il t'a mindgame. Il connaît ma technique. Domination dès le début. Je joue que Pierre tout le temps. Il est trop fort. Tu peux me dire, je prends la main. Oui. Ou je laisse la main. Je laisse la main. Oh là là. Juste pour ça, il gagne 10 points d'avance. Allez, on va faire comme ça, 10 points d'avance. Xari. On va voir si tu es une machine. On va commencer tout de suite avec une question au Moyen-Âge. Oh là là. Dans l'époque. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les villages fortifiés? Alors attention, nous avons 4 réponses possibles. Les tours. Bastide. Le château fort. Ou les remparts. Attends, répète. Les tours. Bastide. Non, par contre. Le château fort. Pas comme répète ça. Sans accent. Tours. Bastide. Château basse, fort. Quoi, basse? Bastide. J'ai jamais entendu ce mot, donc c'est assez terrible. Château fort ou rempart? Au Moyen-Âge, comment appelait-on les villages fortifiés? Vous pouvez jouer chez vous. Vous envoyez Gigi, je t'aime au 3680. 45 euros le texto. 45 euros le texto, bien entendu. Bah, en fait, le truc, c'est que je sais plus si dans le château fort il y a le village à l'intérieur ou pas, en fait. Et oui, c'est vrai, c'est une question qui fait débat aujourd'hui. Mais je crois que oui, hein, je crois que oui, mais je suis pas sûr, en fait. Parce que, genre, il y a les villages avec les champs. Et quand il y a une attaque, tous les villageois ils ont le droit de rentrer dans le château, je crois. Écoute, bon, vas-y, je veux dire château fort, ça m'a saoulé. Quelques instants. Est-ce qu'on peut avoir entre vous deux avec le chat pour savoir si le chat lui trouve la réponse à chaque fois? Oui, je te fais ça. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aime bien. Par contre, c'est quoi le deuxième mot? Parce que j'ai toujours pas. Alors, tour, bastide, château fort, rempart. Tu dis le château fort? Ouais. C'est ton dernier mot. Ouais. Ultime bafouille. Oui, bon, vas-y. Le dernier avant la fin. The last. Ouais, c'est last pas sûr. C'est malheureusement le dernier. Non, je suis pas sûr. Alors, du tout. Ouais, bon, mais c'était pas le château fort. Ah, figure-toi, c'est le seul mot que tu ne connaissais pas. Du coup, c'est le Bastide. Ah bah nice. Bah, voilà. Donc du coup, j'ai aucune. Donc les villages fortifiés étaient les Bastides apparemment. Alors moi-même, je ne le savais pas. Je suis content. J'apprends un petit peu de choses mais c'est aujourd'hui. Alors, sur le chat, voilà. Je peux dire. Oui. Tout le monde dit Bastide. Bastide. Bah c'était la bonne réponse. Bien joué. Figure-toi que le chat Bastide 100%. Voilà, Bastide 100%. C'est tout le monde à wiki. Trop fort. Moi je non mais je m'incline. Je suis rouillé. T'as fait mal. Tu marques 0 point en tout cas. Zéro on avait moi j'avais menti. Après il a laissé la main donc ça m'a c'est vrai, ça t'a perturbé. Mais il le savait donc Question. Alors toi en plus je sais que j'ai vu beaucoup de questions cinéma, je sais que Zary m'a kiffé. on est parti mon petit Alpha, c'est à toi. Question. Allez. Donc du coup apparemment le Loup de Wall Street. Donc dans quel film un couple en croisière va-t-il recueillir un naufragé qui va les terrifier? Attention. Est-ce que c'est petit temps, le calme blanc? Calme blanc, le film. Tempête en mer, le naufragé ou les disparus?
Mais vous qui jouez et qui êtes né entre les années 40 et 50, vous pouvez peut-être répondre à cette question. OMG, mais c'est un film trop vieux, non? Je sais pas. En fait, si, c'est un film trop vieux. Répète la question et les réponses. Dans quel film en couple en croisière va-t-il recueillir un naufragé qui va les terrifier? Donc ils sont là, ils sont en croisière. Un naufragé, gros, vient dans le bateau. Gros, viens. Ce qu'il faut, gros. Ça fait plaisir. Il arrive et bouh, ils sont terrifiés. D'accord. J'ai fait le résumé du film, les gars, il n'y a pas de problème. Donc est-ce que c'était Calme Blanc, Tempête en mer, Le Naufragé ou Les Disparus? Tente Les Naufragés. Allez, Le Naufragé. Ce n'est pas malheureusement la bonne réponse. Alors est-ce là, que... rien. Alors sur le chat, ça propose beaucoup de... Sinon le Calme Blanc. Ça propose blanc, de tout, hein. Honnêtement, ça propose, ça propose de Tempête en mer. Tempête en mer et malheureusement, c'est Calme Blanc. Oh merde. Ah oui, j'ai Calme Blanc. Avec alors... alors un film qui a été réalisé par Jacques Tati, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Aucune foutue idée de quel est ce film. Il sait pas. Hein. Ah oui non. Il dit ça. Ah ouais. J'étais là. Jacques Tati. Tu sais que Jacques Tati, c'est le seul mec que j'ai en tête parce que j'ai fait une école d'art à Montpellier. Je suis en mode. Ouais. Bon écoutez Jacques Tati. C'est vrai que bon. Le mec il dessine. En vrai Tati c'est pas mal. Et il fait des films. Mon oncle, il était monstrueux. Jacques Tati quoi. Si tu nous regardes. Voilà. Je sais pas s'il est mort, mais c'est pas grave. Oui, mais il est mort. Pour moi, il est mort. Mais oui, il est mort. S'il a dit qu'il était mort, il est mort. On repasse à Xari, attention. Question acteur. Quoi? Acteur. Ah ouais. Toi qui es grand acteur. Jeune Dujardin. C'est le seul que je connais. Quel acteur français? Jeune Dujardin. Acteur français, mesdames et messieurs, avait le premier rôle dans le film de Luchino Visconti. C'est quoi ces questions? Le film s'appelait Le Guépard. Ah Le mais Guépard. Mais c'est easy. Voilà. Mais vas-y. Connu, d'accord. Le c'est Guépard, trop facile. Qui est aussi un animal. En plus d'être un film. Mec, j'ai jamais vu ce film. Hein. Du coup, bah, je pense que c'est avec un guépard. Alors du coup, quel acteur français? Je vais donner les acteurs français et tu vas y aller peut-être au pif, je oui, ne sais pas. Oui, bah oui. Jean-Paul Belmondo, Claude Brasseur, Jean Gabin, humoriste, et Alain Delon. Alors selon toi, quel acteur français avait le premier rôle dans le film de Luchino Visconti, Le Guépard? Jean-Paul Belmondo, Claude Brasseur, Jean Gabin, Alain Delon. Attends mais Claude Brasseur, je pense attends, pas. Mais celui que je savais, celui que je pensais, il est pas dedans. Ah, c'est con. Claude Brasseur, je pense attends, pas parce qu'il a pas, il est pas typé pour être genre le king, tu vois. Ah, c'est t'as un film qui s'appelle Le Guépard. Le Guépard. Lui, c'est plus le mec qui serait genre le principal de genre le pêcheur. Et pousse. C'est pas. Attendez, moi, je pensais que c'était Patrick Bruel. Ça, c'est le, le c'est jaguar. Le jaguar, rip. Bah, le bon bah je sais non, alors. Non, le lion, bon. Le roi lion. D'ailleurs, le méchant, il est là, c'est Scar, les gars. Je vous le dis, il est sur son. Le guépard, je vais dire. Alors, je te dis, Jean Gabin, Brasseur, Belmondo, Delon. Franchement, c'est facile. Je vais dire Belmondo, allez. Ouais, bah, c'est sur le chat, c'est full Delon. Et, bah, et c'était Alain Delon. Tain, j'ai hésité. C'était Alain mais... Delon, exactement. J'ai jamais vu le film, donc je peux pas savoir. C'est que pour essayer de taper dans les grandes de ce monde, c'est vrai. Donc c'était difficile, mais c'était Alain Delon. Je me souviens encore. J'ai pas vu le film, si donc c'était du pur pif. Les questions Overwatch seront plus faciles, je pense. Ouais. On va commencer à marquer les points là. Vous situez le niveau. On a bien zéro. Bon, sentez-vous un peu nul et Overwatch, vous allez pouvoir étaler un petit peu votre culture. Genre, oh mon dieu, Overwatch. Waouh. Gros. Pas évident, ok. Ouais, mais. Attends, là, on va parler quand même Alpha. Oui. Quand même, Alpha, oui. Je pense que tu peux trouver facilement sur cette question. Toujours sur des films, apparemment, culture cinématographique assez bonne. Apparemment, du c'était un questionnaire. Quel cinéma. Film à succès? Donc un film à succès. Les Tuches. Donc un film à succès, ça veut dire un film qui a marché. Sûr. Ah merde, Les Tuches 2. Enlève Les Tuches. A réuni sur les écrans Sean Connery and Christophe Lambert. Alors est-ce que c'est ah, oui. Highlander? Est-ce que c'est Grace Talk? Est-ce que c'est Subway, like footlong sandwich? Est-ce que c'est Mad Max? Highlander. Highlander? Ouais. En dernier mot? Ouais. C'est une bonne réponse. Ah c'est la première bonne réponse. Quand même. Waouh, waouh, waouh. J'aurais Highlander, pas trouvé. Sean Connery et Christophe Lambert. Mec, je regarde zéro film. D'ailleurs, ça me fait penser parce qu'on en parlait tout à l'heure en manger que l'ami Debache, Karim Debache, a sorti Chroma sur Highlander 2 et il ah, parle oui. de Highlander ouais. 1. Et on voit Sean Connery et tout ça, c'est un délire qui revient dans le 2, etc. Allez voir, c'est très très sympa. On va parler tout de suite, mon petit Xari. Ah, il a peur là. Pas de moyen âge, pas il de mené. Pas, c'est pas de cinéma. On va parler d'un plaque minier. Tu sais ce que c'est? Eh ben, t'es dans la merde. Mais c'est quoi ces questions? Le mec il allait sur quiz difficile.com. Écoute. Non mec réellement, c'est les premières questions, je les ai effectivement trouvées sur le net sur un truc de quiz. Je te promets, je suis allé en quiz facile. Ah ouais, dur. Pas les questions difficiles. C'est easy, mon pote. Comment appelle-t-on le fruit du plaque minier?
plaque minier. Est-ce qu'on l'appelle le Kaku, comme Eli? Eli Kaku. Kaku Eli. Kaku Eli. Il est mort. Ça élimine une bonne réponse. Deuxième réponse, le Kacha. Mais mec, c'est quoi ça? Troisième réponse, le Kaki. Kaki, la couleur. Comme la couleur. Voilà. Ou Kali, comme le chanteur. Est-ce qu'un chanteur peut être un fruit? On verra tout de suite. Mais mec, je mange pas d'œufs. Le Kaku, le Kacha, le Kaki, le Kali, pour le plaque minier. Je peux vous donner une très bonne recette d'ailleurs, avec ce bon fruit, les gars. Comment t'écris ça, le plaque minier? Plaque minier, P-L-A-Q-U-E-M-I-N-I-E-R. D'accord. Il y a minier dedans, pense au charbon, ça peut peut-être t'aider. Non mais en vrai, est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce nom de fruit? Moi je vais voter Kaki, même si j'ai pas le droit. Moi j'aurais dit Kacha. Kacha, ouais. T'aurais dû écouter Alpha, puisque c'était c'est Kaki. C'est un fruit. Et c'est dans... Et oui. Bah oui, t'as oui. Déjà mangé du Kacha toi? T'as déjà mangé du Kaki? J'ai pas mangé bah du Kaki. Bah moi bien sûr. Oh pardon. Bah j'ai un chant qui... Attends, en vrai j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. C'est Kaki. Kaki comme ça. Fruit. Oui, regardons un petit peu sur ce côté. C'est vrai que je t'avoue qu'un plaque minier là-bas, comme fruit, frère, c'est une tomate. J'avoue, j'en ai jamais mangé. J'ai mytho. Mais bon, bah, Xari, on reste à 1. Hein, bah oui, ça mais... fait mal. Non, je reste à 0, mec. Je pue la mort, mais en même temps. Ah mais... oui, on reste à 0, pardon. Oui, sur le chat, il y en a, ils sont là. Oh, c'est connu. En vrai, si t'en as déjà mangé, tu sais ce que c'est. Juste si t'en as jamais mangé, bah t'es baisé. C'est comme les films, en fait. Bah écoute, c'est comme ça. Manger des films. Tu manges les films. Et bonne vanne pourrie, viens. Mon petit Alpha. Oui. On va parler compagnon. Oui. Qui était le compagnon de Saint Paul? Saint Pierre. De Saint Paul. Ouais, mais les cours d'histoire d'art, ils sont loin. Est-ce que c'était Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Luc ou Saint Marc pour dégraisser? On ne sait pas trop. Le Saint Marc, c'est trop fort. Saint Paul. Attention, on va pas confondre. Ça fait 4 ans que je bossais là-dessus, mais je me souviens plus du tout. Il y a Saint Jules ou pas? Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Luc et Saint Marc. Attention, vous avez une heure. Ok, une heure. J'ai vraiment okay. Tout on a le temps. Michel de Bourgogne. Bien vu. Dommage qu'il ne soit pas dans les bonnes réponses. Une heure. Non, je rigole. Saint-Marc. Malheureusement, c'était Saint-Luc. Et oui, très connu pour son grand vin dans le domaine de Flore. Petite touche. Non. On voit bien que tu partais là. Tu connais vraiment Saint-Luc. Ouais, bon, ouais, c'est vrai. Saint-Luc. Hein. Ces fameuses bouteilles. Attention, Xari, on revient. Là, tu peux égaliser. Bah, ça dépend, c'est une question Pokémon ou. Et ce que tu préfères, c'est une question film. Il y a que des films. Elle en est l'espoir. Et on va parler de John Travolta, mesdames et messieurs. Dans quel film John Travolta incarne-t-il un ange tombé du ciel? Je sais pas. Eh bien, c'est soit dans Michael, Johnny, Jerry, Sam. Sam, c'est le mec qu'il faut c'est le mec qui boit pas. Moi, je pense qu'un ange qui est tombé du ciel, il est bien bourré, donc ça alors, doit pas non, être ça. Alors, attends, réfléchis un petit peu. John Travolta incarne-t-il un ange tombé du ciel? Est-ce que c'est Michael ou Michael? Johnny? J'ai quand même un ange qui s'appelle Johnny. Saint Johnny. Il est là. Jerry, comme Tom et Jerry, et Sam, comme Sam la coupe. En vrai, je pense que le plus plausible c'est Michael, mais. Est-ce que ça part sur Michael? Attends, répète une dernière fois peut-être. John Travolta, Grease. Il tombe du ciel. Bam, il a des ailes, c'est un ange. On dit, toi tu vas t'appeler petit 1. Michael. Bah vas-y, Michael. Ah, c'est le nom de l'ange. Michael. Pas le nom du film. Rien à voir. Mais il a tenté le Michael, c'était pour l'aider. C'est bien Michael, bien sûr. Oh ouais. C'est juste. Oui, c'est ça. C'est le nom Michael. Du film. Ouais. Le film s'appelait. Ok. Et Michael. Donc le film qui s'appelle Michael. D'accord. Michael, ouais. Okay. Qui a d'ailleurs Michael, qui est un nom d'un domaine d'un Saint-Georges, qui fait un excellent vin. Un petit rosé, les gars. T'as déjà entendu un ange Saint-Jerry? T'es genre l'ange Jerry. Je suis l'ange Johnny. Johnny, Sam. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Allez. Alors là, au bout de 57 questions. Xari, ça aurait pu être une question. Je pense que t'aurais trouvé cette question. Quel titre de noblesse est immédiatement inférieur à celui du comte? Est-ce que c'est l'archiduc, le marquis, le vicomte ou le duc? Répète tout. T'as voulu détrôner le duc et maintenant tu l'as quel dans le titre duc. De noblesse
est immédiatement inférieur à celui de comte. Donc il y a le comte et juste en dessous, il y a quoi ? L'archiduc, le marquis, le vicomte ou le duc ? Maréchal Pétain. Maréchal Ferrand. Alors, la logique, vicomte, ça fait genre moins important. Oui, mais est-ce que c'est pas supérieur, le vicomte ? Duc. C'est super. Inférieur à comte. Ouais. Il y a archiduc, celui ici, marquis, vicomte, duc. On va la refaire. Qu'est-ce qui est en dessous du grade de diamant sur League of Legends ? C'est platine, gold, silver. Non. Vicomte. C'est une bonne réponse. Et oui. Pourquoi aller chercher compliqué ? Vicomte qui évolue en comte. En comte, exactement. Ouais. C'est un Pokémon c'est de deuxième roi, génération. Comme roi, vice-roi. Vicomte, prince, roi. Ouais, soit, ouais. Par contre, bah, je sais le pas. Vie devant, ouais, c'est vrai, je sais pas si le marquis c'est genre top tiers ou c'est l'autière. Archiduc c'est god tiers. Duc c'est. Non, duc c'est en dessous compte, non ? Je sais plus. Non, duc c'est au-dessus. Je pense que c'est au-dessus le duc. Parce que le duc d'Aquitaine, mon pote. Ouais, j'avoue. Posez un petit peu. Waouh ! En compte que le comte de Vishnu. Attention, question. De Vishnu. Question la plus facile. Oh merde, alors ça c'est infâme parce que là. Cinématographique il va... Mais la plus facile, si tu te trompes pas, la tête de ma mère, je quitte cette émission. Oh bah. De quelle série de 6 films un champion de boxe est-il la vedette ? Rocky. C'était Rambo. Et bien sûr, c'est Rocky. Tu avais le choix entre Richie, Rocky, Rambo et Rambi. Bah, c'était t'as... Rocky. C'est quoi cette question ? C'est la question, vraiment. Ah bah, question de... En même temps, tu m'as laissé la main, Bolos. Ouais, Bolo. Bien joué à toi. Et on passe à notre ami Alpha pour la dernière question avant le quiz. Overwatch, mesdames et messieurs. Ça va, on a été vraiment excellent quoi. Quelle est la capitale ? 1-2, je crois. Question géographie du coup. Quelle est la capitale de Tombouctou ? Eh, j'allais le dire, mais c'est pas ça. Je vais faire une blague, tu me l'as piqué. De la Nouvelle-Zélande. Alors, nous. Hein, quoi ? Il y a 2-2 ou 1-2 ? Il y a 2-2. 2-2, les gars. 2-2, les gars. Enfin, faut pas dans le jeu. Il y a moins 3-4, je crois. Moins 3, ils sont dans le négatif. Donc, la capitale de Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est Dublin ? Dublin ? Non, bah. Auckland ? Wellington ? Ou Sydney ? Ah, oh, c'est à Auckland ou Wellington. Wellington, Sydney. Enfin, j'ai jamais rien vu sur la Nouvelle-Zélande à part Seigneur des Anneaux. Les All Blacks. Et les All Blacks. Spartacus, t'as vu Auckland ou Wellington. T'as vu Spartacus ou pas? Ouais. Parce que les acteurs sont australiens. C'est juste, je te le dis ça comme ça. Australien. Ouais, ça n'a aucun rapport. Mais, ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Il y a un mec qui est Nouvelle-Zélandais, je crois. C'est Crixu qui fait Crixu. Oui, Crixu, il est Nouvelle-Zélandais. Je crois qu'il est Nouvelle-Zélandais. Ouais, il a joué dans un truc qui était en Nouvelle-Zélande récemment. Manu Bennett. Oui, ouais. Voilà. Exactement. Chronique de Shannara était dedans. Excellent. Donc, c'est un quiz. La réponse. Auckland. Et malheureusement, c'était Wellington. Wellington. Exactement. Parce qu'à Wellington, ils en parlent pas mal au rugby. C'est vrai. Des fois ils disent dans je le sommeil, je regarde pas le rugby. Ah, mais non, en fait, il y a encore des questions, my bad. Ah. Il en reste 4. Autant pour nice, nice. De jurer, Gigi. Non, vas-y, faut que je me rattrape. Mais tant mieux, je me disais, c'était court. Vas-y, on a. C'est parfait. Vas-y. Attention, on passe à peut-être Xari. Le 3-2. Xari qui vient de prendre l'avantage. Non, bah non, pas du pas tout. C'est toujours 2-2, calme-toi, c'est chiant. Il te déteste. Il est trop vénère là. Bon, Xari, t'as toutes les questions faciles, Xari. Il m'a laissé là. À quel groupe musical international doit-on la barre originale de Flash Queen. Enfin de voilà c'était c'est truqué Flash, c'est truqué c'est Flash Gordon, tu m'as laissé la main gros non, t'avais oui il y avait Yes Led Zeppelin ou la porte les portes The Doors voilà c'était donc Queen The donc Doors. C'est Ren qui gagne qui est mort d'ailleurs Queen si tu le regardes Frankie est mort mais pas tous oui, pas tous. Oui bien sûr parce que maintenant il y a Queen Révolution numéro 2 là Révolution non mais si il y a un comics je crois que Queen ils refont une tournée mais avec un autre chanteur ah ouais. Et genre, il y a la moitié des mecs qui sont en mode non. Ouais. Ah, c'est comme si demain ils disaient les Beatles ils sont en tournée, les gars, mais avec d'autres chanteurs. C'est un tour en mode. Comment on appelle ça ? Hommage, c'est un tour hommage. Ah, voilà, c'est genre. Tribute tour. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je parle. Ouais, tu parles anglais. Et ils mangent masse kaki dans les loges et tout, c'est ouf. Oh les kaki. Genre, j'ai fait un petit kaki au sucre, mon gars. Mon petit Alpha, on va parler des scorpions. Tu aimes les scorpions ? Ouais, c'est ta passion. Je suis scorpion. D'accord, mais c'est parfait. Wow. Tu devrais savoir du coup. À quelle classe animale le scorpion appartient-il ? Aux mammifères, aux reptiles, aux, mammifères, aux il a arachnides des ou aux insectes ? Aux arachnides. Les arachnides. Le mec est arrivé direct, c'est bien ça. C'est une araignée. Ouais. C'est bizarre, tu vois, moi j'aurais échoué. Oui, moi j'aurais dit insecte, moi. Parce qu'ils ont que 6 pattes. Ouais. Et du coup, pour moi, pas arachnide. Et pour vous, un hippocampe alors ? Un hippopotame. Bah, aux chevaux. Viens, non, l'hippocampe est un poisson, tout simplement. Ouais. Bah oui. Et oui, mais les gens, ils peuvent se dire, mais ça ne ressemble pas à un poisson. On ne sait rien. Non, mais monsieur, on ne sait rien, ça ne ressemble pas du tout à un poisson. Rien du tout, mais un cheval. Bon, Xari, on va parler de roulette, de casino, de strass et paillettes.
ton quotidien. Blackjack, poker, as-as, paire d'as. Quelle est la seule, quelle est la seule valeur à la roulette à porter la couleur verte? Bah zéro. Et ce mec est monstrueux. Ce mec connaît les casinos là... comme sa poche. C'est zéro, c'est une bonne c'est réponse. C'est zéro qui permet au casino d'être toujours vainqueur, car quand la bille tombe sur zéro, tout le monde perd. Et tout le monde l'a dans le cul. Excellent. 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 C'est vrai. Donc c'est bien le 0. Il y avait également le 50, le 40 ou le 13. Et pas du tout. Donc c'est le 0. Ouais, c'est le 0. Bien joué à toi. Tu peux pas parier sur le 0. Non. Et si tu mets paire et que ça tombe sur 0, t'as perdu. Si tu mets genre rouge, t'as perdu. Puisque c'est vert. Donc... ah oui, donc c'est vraiment. Non, mais en gros, c'est fait en sorte que cette case permet mathématiquement que le casino ne perd jamais en fait. Grâce à cette case qui, quand elle tombe, récupère tout. Voilà. C'est pour ça que sur un instant T, le casino peut perdre. Si par exemple un mec qui est bordé de nouilles dit quel cul bordé de nouilles qui fait je mets tout sur le 7, il met 100 millions et le casino va perdre. Mais si le casino tourne pendant des années, au bout d'un moment, oui, forcément, ça la courbe qui... de mathématiques va tendre vers zéro. Et voilà, enfin bref. Bien joué. Ou l'infini, j'en sais rien. C'est une très bonne théorie. On va parler un petit peu avec tous ces événements. Obama qui lâche son mic, qui n'hésite pas. On va parler des États-Unis. Du mandat présidentiel. Combien de temps dure le mandat du président des États-Unis? Est-ce que c'est petit 1, 4 ans? Petit 2, 7 ans? Oh my god, an alpha cat maybe 3, for the clutch. 5 ans? Parce que c'est en quinquennat. Ou 6 ans? Attention, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Et non. 4, 5, 6, 7. 4 ans, 7 ans, 5 ans aussi. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'Obama il est là. Oui, mais Obama a été élu deux fois. Ah merci. Et donc, bien sûr. Bien vu, merci de me donner l'info, Hugo. Des petites informations. Et d'ailleurs, tu ne peux pas te faire élire plus de deux fois si je ne dis pas de bêtises. C'est bien vu ça, putain. Mais oui, qu'est-ce oui, qu'il est oui, bon. ça c'est vrai. Et Bush aussi a été élu deux fois. Ça c'est bien alors, vu. Alors combien de fois a-t-il été président? Du coup, bah deux fois, mais ouais, mec. Mais l'autre il m'a fait un signe. Il m'a fait un signe. Le main, ouais, il est là. Du coup, si je le dis, bah dis-le. On va me dire, je l'ai pas trouvé. Les gars, non, mais ok, réfléchis là. Et si je me gourre? Et si genre, non, ouais. C'est lui qui a fait les questions. Par contre, si George Bush. Non, mais c'est abusé. Moi, du coup, j'ai l'air d'un con. Non, mais si George Bush aurait été élu deux fois et qu'Obama a été élu deux fois, 2 plus 2 égale. Je sais pas. Non mais oui, évidemment, mais bah évidemment, il faut une réponse par contre. Parce qu'évidemment, c'est pas. Mais non, mais je vois sa logique, mais c'est pi, non? Moi, j'aurais pas dit 3, genre plus de 5 ans. Donc, c'est 4 5 7 8. Ouais. Donc c'est Petit Wayne l'a même si pas. Si tu dis pas plus de 5, c'est moins de 5. Bon, vas-y, donc, dis. C'est 4 ou 5, mais l'autre il m'a dit 4, il m'a dit 4. Est-ce que c'est 4 ou 5? Je veux dire, non, mais dis 4, mais malheureusement, c'est pas la bonne réponse, c'est 4 ans. Nice. Oh, il l'a fait. Excellent. Bon, il faut lui donner le point après du coup, Xari. Non, non, parce que c'est la dernière question là, non? Ça fait égalité là, ça va jouer sur Overwatch. Overwatch. Temple d'Anubis. Non, ça fait pas égalité. Si parce que en gros c'est moi qui ai commencé. T'as laissé la main. Tu as laissé la main. Merci Master Panda One. Mon dieu, Master Panda One. Du coup, vas-y Overwatch. Overwatch, on va commencer tout de suite. Xari, quel âge a Genji? Oh, attention, putain. Pas Genji Girac, Genji dans le jeu. Confonds pas, les gars. Parce que Genji Girac, il a. Il a 20 ans. Il a 20 ans, Genji Girac. Oui, mais Genji, Genji dans le game. Quel âge il a? Mec, c'est un cyborgesse. Ah bah, il a quand même un âge, c'est un humain à la base. Pourtant, ça se voit, enfin. Peut-être on peut faciliter en disant genre. Mais y'a pas genre 4 réponses là? À 3 ans près. Y'a pas genre 4 réponses. Non, monite-toi. Bah, sur celle-là, bah vas-y. Tu sais quoi? Je vais le faire, moi. Je vais te faire 4 réponses. Vas-y. Parce qu'il a 31 ans. 32 ans. 33 ans, 34 ans, 35 ans, 31, 36 ans, 37. Attends, je vais pas finir mes réponses. 37 ans. Non, non. 36 parce qu'Enzo ans. Est quand même beau gosse. Est... Enzo est beau gosse. J'étais mis entre 31 et 40. C'est le grand frère en dessous. Oui, je sais. Non, mais ça, voilà. Enzo est beau gosse, il est dans la force de l'âge et il est quoi le grand frère. Donc c'est je dirais un papy, Enzo. Oh, c'est pas un papy. Par rapport au mec, reste... il grimpe. c'est un papy fit, tu vois. Ok, bon, 31, vas-y, je m'en fous. 31 Ouais. Moi, je... 35. Ah ouais, bon. 35 Ouais. Attends, j'en ai 33. Ouais, mais bon, les gars, enfin. Faut aviser. Dis le mec qui a la réponse, c'est rien, mon perso quoi, préféré en plus. Quoi. Enzo, attends, tu sais que c'est son grand frère à la base, j'ai vu. Déjà, okay, je cherche à l'école. Tu te calmes. Attention, allez. Mon petit bonhomme, quel est le nom français de l'ulti de faucheur? Éclosion mortelle. Quoi? Éclosion mortelle. Quoi? Éclosion mortelle. Comment? Il te troll.
Et non, c'était meurt. Non, non. C'est meurt. Le mec était là. C'est ce qu'il faut. Oui, je sais. Non, je sais pas. Mais ouais, je sais, pour les besoins de l'émission. C'est vrai que je sais. Enfin, il le dit, meurt. Oui, c'était bien, éclosion mortelle. Il y avait également déluge des balles, de balles. La fin justifie les moyens et meurt. La fin justifie les moyens. Pendant le titre, c'est beaucoup trop long. Non, ah, en vrai, non, bah, parce qu'il a pas faim. Mortelle, hein. Non, oui, mais alors, ça, bah, sur le site de Blizzard, non, mais on n'est pas dans la fin, ils font pas genre. Éclosion mortelle. Mec, tire à voir, il y a des noms. Ouais, j'avoue, il y a des noms. Mantexari, oui. Suis mon doigt. Quel est le nom de l'arme de McCree? McCree. Le pile, le revolver, j'en sais rien. Est-ce que c'est le contrôleur? Est-ce que c'est le pacificateur? Le tourmenteur? Le slinger? Le pacificateur. Le pacificateur, c'est une bonne réponse, Xari. Qui vient chercher l'égalisation tout de suite. Waouh, je suis vraiment fort à ce jeu. C'est très serré, hein, c'est très serré. Sachant quand même, t'as, comme tu commences et que t'as un point de moins, en fait, enfin, ouais. T'égalises maintenant, donc Alpha, tout ça. Alpha. Oui. Est-ce que tu connais Phara? Je connais Phara, oui. T'as déjà ken ensemble un peu? Ça, c'est fait. Fais quelques games. Quelques games. C'est quoi ça? Bah oui. Bah oui, je connais Phara. C'est le t-shirt Phara. C'est ce qui me semblait. Voilà. Je sais pas, moi, je vois casque. Bon, les gars. Quel est le vrai nom de Phara? Faria Amari. C'est une bonne réponse. Ah, ok. Bon. Bon. Parce qu'après, il voilà. Y avait Faria Amira, il y avait même Fira Amora. Bon. Mais mec, mais tu, gars, sais, tu sais qu'en plus, j'ai retenu le ça. C'était Faria Amori. Faria Amori. Mais tu sais que j'ai retenu parce qu'en faisant la vidéo sur elle, j'ai mis 1000 ans à le prononcer bien. Ah, du coup, je l'ai répété 20 fois. Il fait des vidéos, comment vas-y. Tu peux pas arriver. Vas-y, fais-moi une question sur Menor Noir, on le baise. Comment s'appelle le dragon de feu? Zeros. Zeros, des éléments. Je te donne 2 points. Attention, Xari. Tu es prêt? Oui, bah arrête de me fixer, ça me fait très peur. Je sais que ça met de la pression, moi, ma main comme ça. Quelle est la couleur des gants sur le skin standard de Soldat 76? Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est vert? Eh, ça a l'air facile, mais en fait. Quoi? Bah, il joue que Hanzo, lui. Il forcément, il sait pas. Tu connais Soldat 76? Ouais, je connais Soldat 76. Ah, bah, il a un skin. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est skin standard. Ah, il va chercher. Non. Skin oui, alors, le skin standard, ouais. Non, skin standard, c'est quoi? C'est le skin de base. Oui. Bon. Quelle couleur? Ben, Soldat 76. Répète. Soldat 76. Moi, je pensais déjà qu'ils étaient blancs. Donc Soldat 76, il a des gants. Oui, non, mais répète les couleurs. Ah, rouge, bleu, jaune, vert. Rouge. C'est une bonne réponse. Excellent travail. C'est oh là, que c'est un monstre. J'ai fait un. Flash. Le mec est remonté dans le temps, il s'est rappelé. J'ai un fait Tenchinan, la mort sur le soleil. Waouh, et t'as revu les gants rouges au ralenti, quoi. Putain, bien joué. Ah, c'est vrai que moi, avec Soldat 76, au bout du deuxième coffre, j'ai gagné le skin vert. Donc, du coup, non, pas du tout. aucun rapport. Mon petit Alpha, oui. On va parler de Tracer. Ou Tracer. Tracer. Juste une question suivante. Alpha, petite question pour toi. Depuis que la bêta est sortie, il n'y a plus le petit bouton boutique quand tu prends les coffres. Ouais. Ah, j'ai peur. Ouais. Tu sais pourquoi? J'ai peur qu'on puisse genre, plus. Il y aura pas de boutique en fait. Bah, on sait pas. Ah, très bien. Waouh. Si même Alpha ne le sait pas, c'est à dire si que personne ne le sait. Personne ne saura jamais. Non, on sait pas. D'accord, très bien. Bah écoutez. Par contre, il y aura un reset. On est d'accord. On a la réponse. Il y aura un reset. Ouais. Il y a un reset, les gars. Tu vas les paumer tes caisses. Ça sert à rien, les gars. Mon petit Alpha. Quelle est la nationalité de Trace? British, anglaise. T'as dit British, je peux pas l'accepter. Infâme. De quel comté vient-elle? Elle est de Londres. De Londres apparemment, ouais. Bien sûr, c'est bien vu. Ouais, ouais. Bien joué à toi. Je pense qu'on peut pas rivaliser en point de plus pour notre ami Alpha. On va parler de May. M-E-I. May. Ah, May's Bay. May. Attention, c'est pas tante May. Peter Parker n'est pas là. C'est un autre jeu. D'accord. Quel est le métier de May? Est-ce que... Est-ce qu'elle est éleveuse de phoques? Ah non, mais ah, je sens que ça inquiète de la merde. Ça, non. C'est possible. Non? Quoi, en Antarctique? Est-ce qu'elle est frigoriste? Alors non. Climatologue? Ce métier existe. Ou météorologiste? Bah, c'est l'un des deux derniers. Et je ne rigole pas. Frigoriste? Tu vas tomber dessus. Et alors, c'est ah oui, quoi, non, mais sûrement, mais elle est pas. Bon, c'est pas ça évidemment, mais j'ai tapé métier froid, je suis tombé frigoriste. Métier fait, froid. Bah oui, c'est. Alors, les mecs qui construisent des frigos. Éleveuse de phoques, climatologue, frigoriste, météorologiste. Tu hésites entre laquelle et laquelle? Ah, les deux derniers quoi. Enfin, climatologue et. Éleveuse de phoques, évidemment. Éleveuse de phoques. Climatologue ou météorologiste? Météorologiste. Je vais dire climatologue, allez. C'est la bonne réponse. Oh, la vie, 50-50, viens nous faire. Ouais, non mais je me dis, elle est météorologiste, c'est genre. C'est un peu pareil au final. Hein. Ouais, mais climatologue, mais c'est genre elle est. Tu vois, les gars, voilà. C'est plus classe climatologue. C'est plus stylé. Ouais, je me suis dit, c'est ça.
Mon petit Alpha, à oui. quelle organisation terroriste appartient Fatal? La griffe. Eh ben non, c'était Daesh. c'est marqué. Ok, Daesh. Ouais, je l'ai mis dans. Ouais, voilà. Too soon. Vraiment, too soon. L'écro, la griffe, tempête Daesh. Donc c'était bien la griffe. Tempête de neige. Tempête Daesh. Non, c'est tempête et après Daesh. Tempête Daesh. Alors. Il reste combien de questions là? Il en reste une seule d'ailleurs. Ce qui te met en position. Mesdames et messieurs, pas mal. Quelle affirmation est vraie? Wow. Ange est suisse. Winston était un homme avant d'être un singe. Bastion veut éradiquer les animaux. Et Diva est chanteuse. Alors Diva n'est pas chanteuse. La meuf là, Ange, elle est allemande. Je crois. Et après, c'est quoi Bastion veut. Non, Bastion veut éradiquer les humains, pas les animaux. D'accord. Et Winston était donc, un homme avant d'être coup, un singe. C'est le dernier, Winston. C'est Winston ? Ouais, je crois. Rip. Sûr ? Bah, j'en sais rien. J'ai rien dit ça. Ange n'était pas allemande ! Ah merde. Bah, elle est suisse, allemande ! Ah, d'accord. Oui. Oui. C'est un petit brain. Et c'est un échec de la part de Xari qui donc s'incline face à Alpha. 7 à 8. Comme l'édition. Comme l'édition, bien joué. Mesdames et messieurs, bravo à tous. Merci. Bien excellent. Joué. Et on passe l'antenne à Harry Rosenbach. À demain. Pas du tout. Bon, mais ça s'est bien passé, là, Xari. Je t'ai pas senti. J'avoue enfin, que le Moyen-Âge m'a. Ah, il a fait mal. Le Moyen-Âge, t'as. Ma bolos. Bastide. Quoi. Bastide, les gars. Après, bon, j'ai eu toutes les questions faciles en mode Queen. Oui, et tout, c'est là, vrai, c'est vrai. Après, bon, il a été impartial. Enfin, il a été impartial. Il a été impitoyable plutôt sur Overwatch. Ah, très bien, Alpha. Pas le temps de niaiser, là, sûr. T'avais toutes les réponses. Non, pas 35 ans. Genji. Ouais, non, je sais. Oh, Genji, Genji, Mais quel âge a Zenyatta? 20 ans. Pignatta. C'est un jeune. 20 ans, ouais, c'est, on peut pas vérifier. C'est un jeune. Non, mais je crois. Non, il a 20 ans, c'est vrai. C'est, un des, c'est le plus jeune de Overwatch avec Diva. Ouais. Avec Diva, a, c'est vrai. On dirait qu'il est vieux, mais en fait, Diva qui a 19 ans. Ouais, bon, 19 ans. Les amis. Oui, on va partir sur. Il est 20h. Je vous. Alors, voilà, il est 20h, Paris, c'est l'heure. Et quelle heure? Mais surtout, il est 20h, c'est l'heure du. Poker. On va partir en poker dans quelques instants. On va vous mettre une page de pause, amis. Vous ne me voyez pas et pourtant je suis là. Excellent. On va vous mettre une page de pause. On revient dans quelques instants pour du poker. Tout le monde va participer. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. À tout de suite, les amis. Ne manquez plus pas de thunes.